été assez marquante. Donc, si on dégage un problème qui sont là, mais moi-même, tout le monde, pas bon, si on pas bon, on va continuer. Donc, monsieur, que nous disons que si ils sont bons ou pas, on va continuer. Si on pas attendre bien, on va continuer. Donc, même barème qui a fait là, contre son accompagnation, son problème technique lié, on va contrôler sur lui. Donc, fais-moi connaître si ils sont bons et dis oui. Ok, que tout le monde dit oui, c'est que je garde avec Kounia, mais l'actualité est assez justement. Et ça, les congrès ou bien encore les rencontres que le Premier ministre a gagné, c'est une sorte de réunion et que le Premier ministre a gagné avec le membre du gouvernement, une réunion 4 jours, pour de discuter, consigne ça que le membre du gouvernement a fait et qui s'est attendu. Ça, c'est ça, les feuilles de route. Que le Premier ministre pour l'exécuter, qu'on a pu dire qu'il s'est attendu dans le jour qui venir, etc. Donc, rencontre ça a été déroulée vendredi et samedi. Donc, il y a un bail, qu'on a les bols en mer avec eux, qu'on a un hôtel qui est bol en mer. Donc, ça n'a pas de cas aller, bon, pour raison de sécurité. Donc, le Premier ministre a un problème de sécurité et tout. Donc, il a parlé de questions de monde qui n'a pas venu travailler. Donc, il y a un appel qui a pensé pour dire que l'autorité a bien réfléchi. Il a parlé de gens qui n'ont pas venu travailler. Il y a des gens qui n'ont pas venu travailler, tout simplement. Ce n'est pas pour nous exprès le faire, c'est parce que tout simplement, il y a un cas liban qui envahit là ou bien insécurité dans la zone de la Cali. Il fait que le cas il y a un autre cas. C'est côté de mon travail là, même qui a une sécurité. Par exemple, un monde qui a travaillé dans le bureau pour le ministre dans la zone bicentenaire, un monde qui a annoncé le ministre qui n'a même pas même existé encore parce que l'insécurité dans la zone fait que, ou bien encore, mon occupé local là, etc. Donc, donc il y a un monde qui a pris sa appel pour dire qu'il faut que les responsables prennent plus de précautions. Il n'y a pas eu de monde qui n'a pas venu travailler ou bien après l'absentéisme. Il y a des absentéistes volontaires, tout, il y a des absentéistes, ce n'est pas exprès. Il est probable qu'il y ait des gens qui parlent de travail alors que les gens sont dans le pays étranger. Ou bien l'île là dans le pays, ils parlent de travail alors que les conditions de sécurité. Il y a des gens qui ont oublié de quitter la caillou, qui retournent dans le pays, dans la ville natale, parce que l'insécurité est tellement grave pour lui, ils n'ont pas qu'à bailler, ils n'ont pas qu'à risquer la ville. Il y a des gens qui sont allés, ils n'ont pas qu'à aller, tout simplement pour problème d'insécurité. Donc, on n'a pas qu'à de problème qui pourrait résoudre. L'autre question, c'est la question de Kenya. En fait, nouvelle qui se tient dans Nairobi, fait qu'on est que d'abord que l'autorité a nommé un nouveau commandant pour mission même qui peut aller en Haïti. Et d'après toute nouvelle qui se tient dans Nairobi, Tadoué gagné, Tadoué mission ça, Tadoué quitter Kenya demain. Donc, dès demain, il a de commencer à arriver en Haïti. Donc, c'est ça qu'il dit, mais étant donné qu'il était toujours et renvoi après des fêtes, renvoi après des fêtes, soit fait mission, donc il y a un peu de difficulté, mon pas fin quoi que vérité. Mais il semble que fois ça, c'est tout bon vrai. Et en fait, c'est une décision qui prend tour après dernière annonce que le secrétaire d'État américain Anthony Blinken fait récemment pour contourner le congrès, nous rappeler le congrès, et surtout les républicains ont bloqué
et assistance ou bien l'argent que j'ai pu bailler pour mission 1, et bien, et dernièrement, le secrétaire américain Anthony Blinken a annoncé que le département d'État lui-même a bâillé plus de 100 millions de dollars pour mission ça. Le Canada qui est déjà apporté, la France a bâillé, l'autre pays qui est censé bâiller, et le pays tout a contribué à la mission. Ça veut dire qu'au moins comme ça que le département d'État bâille, qui est en garantie, c'est peut-être moyen qui motive l'autorité kenyane pour mission démarrer. Donc selon tout ça qui dit, eh bien, mission t'a dû arriver en Haïti à partir de demain. Donc, son mission t'a privé graduellement. C'est-à-dire que c'est pas tout groupe là qui a privé, c'est pas groupe qui a privé, son privé tablier, et puis il y a tout équipement que les assemblées que Kenya a besoin pour travailler là qu'on va faire, et bien, l'équipement ça va être tout sur place. Et, n'attend seulement simplement. Donc les conditions, la police nationale a gagné actuellement un nouveau directeur, c'est Normand Rameau, qui retourne dans le poste encore. Donc M. Saï depuis samedi. Et M. est participé ensemble avec le premier ministre dans le premier, ça dans le premier et premier réunion au niveau et au niveau conseil national, conseil police nationale là, ensemble avec le ministre de Justice là, donc je suis président, donc seulement il y a un problème question. Sécurité a été discutée dans la rencontre ça et qui est capable de faire Haïti reprendre droit encore, c'est-à-dire que pour l'État de droit retourner, pour que l'autorité reprenne droit encore, c'est-à-dire que Haïti peut être autorité légitime et légitime, donc ça veut dire besoin de reprendre toute base. Donc c'est autant de questions qu'à bail, et puis voilà. Et nous avons fait mois de juin, donc mission 1. Que le Conseil de sécurité nationale a été voté pour le débarquement dans un an, ben, pratiquement, ça a pris fin dans à peu près une semaine, dans le commencement du mois de juillet. Donc, il y a une question à poser, est-ce que les Nations Unies, après avoir voté pour la mission, pour prolonger la mission, l'autre année encore, parce que l'EF a été fait là, entre temps, un paquet de balles qui passait, la mission par exemple, qui a pris un pivot, la mission par exemple, qui a lancé tout, il y a une question pour te signer un document, pour te signer au point de vue légal, etc., tout bas, ça peut être fait. Finalement, ça a fait Kenya, l'autorité a essayé de visiter Kenya, et Kenya a été en mission fact-finding, c'est-à-dire une mission de reconnaissance en Haïti. Et puis, vendredi, l'autorité ICC représente Haïti dans l'OEA, qui signe avec l'ambassade de Kenya en Haïti aussi un document, qui probablement le dernier document qui est signé, mais ça a été fait vendredi, dans Washington. Donc, vous avez l'ouvert pratiquement, tout le monde, tout handicap qui est signé, tout handicap ça, il est censé passer. En tout cas, moi, je suis ici, là, comme je dis, je parle surtout de questions et élections. Élection aux États-Unis, et d'abord, il y a un premier débat, un série de débats qui vous fait. Et c'est le premier qui a fait. Et c'est pas jeudi, et entre président sortant, on a parlé que Joe Biden avec ancien président américain et Donald Trump, sous ancien président Donald Trump qui débat ça, mais. Et son débat en pile, on n'a pas tant de questions capables de figurer dans le débat. Ça, question d'immigration, question par exemple condamnation que le président Donald Trump a condamné récemment dans New York à cause de l'argent qui a fait que le gars a fait avec elle. Et bien, pour acheter silence, ça, et bien, le tribunal a été joué, le jury a été joué qu'il était coupable de 34 chefs d'accusation. Eh bien, il y a une question à poser. Est-ce que la question ça doit faire partie du débat ou est-ce que le président Biden doit utiliser ça pour faire partie du débat pour la patate? En tout cas, le président ancien président qui a participé dans un meeting de masse et dans Philadelphie pendant le week-end, eh bien, il était lui-même. Il dit que le bras en appel avec question ça lui-même. C'est bon, question pour lui encore discussion. Mais il fait public là qu'on est que position le tout sous dossier immigration. Il dit que le premier jour que les films remportent l'élection, le premier jour les films prêtent serment, et bien, première action la poser, c'est commencer, ça va être une opération déportation. Tout le monde qui habite aux États-Unis illégalement. Donc, l'idée à dire déjà, et il n'y a pas un cas de sentiment pour le dire, parce que l'Iran démocratie responsable, situation de sécurité qui se frontière. En fait, il n'y a pas de parole
M. Mitch, qui lui-même, qui est un vice-président de campagne pour réélection du président Biden avec Kamala Harris, là, et bien, il était dans la chaîne de télévision NBC, Mille de Presse, et bien, il me dit que le problème frontière a existé depuis longtemps, c'est pas eux-mêmes. Le problème a existé depuis 20 à 30 ans. Et la première action que le président Biden a fait en 2021, après le défin et prêté serment comme président, et bien, la première action qui a été posée, c'était voyer un projet de loi sur réforme immigratoire, mais il dit que le projet de loi, le président et républicain était près de la gueule dans la poubelle, donc il n'y a pas de faire rien avec, donc il n'y a pas qu'à prendre les responsables, je veux dire, parce que il n'y a pas de nécessité pour une réforme qui fait. C'est vrai, il dit tout que les républicains eux-mêmes, en tant que, ils ont déjà fait ça, puis ils ont fait déjà, le président Biden a pris deux décrets d'abord pour limiter la quantité d'immigrants qui viennent demander asile sur la frontière, sous entrée de façon légale. Et l'autre décret qui est pour légaliser immigrants qui vivent aux États-Unis depuis 10 ans pour Bibiti, qui vivent illégalement aux États-Unis depuis 10 ans et qui marient avec un Américain, mais ben, sont capables de légaliser ça, tout, sans pas besoin de retourner dans le pays. Donc ces deux gros actions étaient probablement. Il y a l'autre action encore que le président Biden a posé dans le jour qui vient là-haut, ou bien dans le jour qui vient là-haut, pas oublier nous en période électorale. Et c'était même vendredi à tout, le président Biden a annoncé tout, et statut de protection temporaire pour 5 pays, et pour Salvador, et Népal, mais il y a un peu de monde qui débarque, il dit oui, mais Haïti n'est pas là-dedans. Dossier Haïti a censé. TPS pour Haïti a fini pratiquement le 3 août. Donc, ça veut dire que fenêtre 60 jours que le président a gagné pour prendre une décision sur le dossier Haïti, nous sommes toujours dans la fenêtre ça. Donc, en nous temps, pour voir quelle décision qu'elle a prend. Mais entre temps, militants, c'est tout le monde qui a défendu les migrants, ils ont même travaillé avec l'administration pour essayer d'être capable, non seulement renouveler TPS pour Haïtiens qui sont dans le pays il y a longtemps, mais tout redessiner Haïti pour. TPS, tout ça veut dire que redessiner Haïti, veut dire que redessiner Haïti, ça veut dire que ajouter les gens qui deviennent dans le pays après le dernier TPS, les gens qui deviennent après le mort de Moïse, donc ajouter les gens, et il t'a même semblé tout, puis il t'a ajouté tout, et les gens qui étaient entrés dans Biden, ou les gens qui étaient entrés sur la frontière, qui étaient passés sur la frontière, puis il t'a ajouté les gens, tout, et non. Parmi les bénéficiaires. Mais nous attendons simplement que si l'administration est sale à faire, et bien le sale va dire, etc. Mais qui est le tout. Voilà. Et je me dis bien, nous, moi, c'est Jean-Bert Philippe, je salue nous. Depuis l'État américain, je me dis de passer une bonne semaine en compagnie de la Voix de l'Amérique. Continuez de visiter et plateforme New York pour connaître exactement les dernières nouvelles qui ont dominé l'actualité. Bon week-end tout le monde, bonne semaine, bon après-midi. Je parle encore Pita, je prends Pita. Pita, je suis dans la radio, sur la télévision encore, je tourne. Et puis, nous avons dit que tout le monde est là pratiquement. C'est Michel qui est là. À Creole, dis-nous, non, et qui ça va faire dans la fondation en Haïti? Bonsoir Jacqueline, et bonsoir à tous les auditeurs avec les téléspectateurs qui attendent de vous. Donc, moi, c'est Jessica Bien-Mérité. Je vis à Port-au-Prince. Et moi, c'est mon Jacquemel. Je suis mon Jacquemel. Je représente les liaisons locales pour la fondation. Donc, le job, pas moins, surtout, c'est garder. Organisation qui finance, qui travaille à faire sur le terrain et surtout à travers différents départements. Et aujourd'hui, on trouve dans Washington DC et côté grand pile activité. Dis-nous, nous sommes faits dans Washington DC. Oui, et c'était une occasion spéciale parce que tu as une rencontre avec l'autre monde qui travaille en Haïti et tout, nous avons visité quelques monde dans le congrès qui ont appuyé le travail de la fondation en Haïti. Donc, c'était une occasion pour nous dire que les gens savent marcher en Haïti. Et qui savent marcher en Haïti? Nous connaissons une situation très difficile en Haïti. Effectivement, situation très difficile en Haïti parce que, on connaît depuis quelques temps à cause des situations de violence dans Port-au-Prince, un peu le monde est déplacé à aller dans la zone provinciale. Donc, il y a un peu d'activité qui a fait au niveau provincial. Mais ce qui est certain, c'est que, et qui doit résumer, c'est que, quelle violence, c'est dans Port-au-Prince. Ouais. Et avec une tagadie département de la Tibonite qui a affecté un peu. Bon, situation de violence, ça a un impact sur l'autre département et sur l'autre travail fondation a fait tout dans le pays. Là. Et qui côté fondation y est même? Qui côté y est et qui service que l'offre by population? Il n'y a pas un bureau dans Port-au-Prince. Mm-hmm. C'est pas un bureau. Mais il y a un point focal pour nous-mêmes. Et puis, il y a organisation de base qui est dans le département sud-sud-est qui travaille dans le développement
dans agriculture, dans élevage, etc. Ils ont financé l'organisation. Par exemple, le docteur Mizadi qui sorti Cap-Haïtien, il y a un centre de santé que la fondation a financé. Et il travaille dans des communautés, peut-être qu'il n'y a pas le palais, qui est l'activité qu'il a fait, dans le domaine qu'il parle, qu'il finance. Et bien, l'autre organisation, tout qui bénéficie dans l'autre domaine qu'il travaille. Et bien, effectivement, nous avons avec nous, et Dr. Maudelin, mes adieux, ou tant qu'il mérite ce deal, et bien, ou même, ou responsable d'une organisation, et qu'il est même bénéficiaire de Inter-American Foundation. Parlez-nous de l'organisation d'abord. Et merci, M. Jacqueline. Bonsoir, M. Jacqueline. Et n'a pas dit bonsoir à tout le monde. Son plaisir, matin, pour nous trouver nous dans la radio, pour nous parler du travail nous, et au niveau des Cap-Haïtiens, dans le nord des pays. Alors, nous-mêmes, c'est Mizadi Maudelin, son docteur en médecine, et nous responsables d'organisation relais, unité de pour la santé. Rôle nous, travail nous, c'est bailler en soins de santé primaire. Les nous, des soins de santé primaire, nous pas chita seulement, nous faire consultation et bailler médicaments, et faire analyse, mais aussi nous avons un problème de base communauté. D'accord, on y a vu dans une situation critique, le bagage de l'eau pour boire, pas de manger pour manger. Ça fait organisation noire, venir entrer dans l'autre domaine et nous avons dit, nous venons une organisation de développement communautaire. À partir de là, que nous avons trouvé fonds dans une organisation inter-américaine, faciliter le travail de l'eau et avancer plus bien. Donc, vous recevez fonds, financement dans la main Inter-American Foundation et pour capable de faire travail. Expliquez-nous, là, vous recevez fonds qui sont faits avec elle et qui gens que le repartir et est-ce que une organisation ou une équipe de travail et qui nous a fait? Ben, nous plus explications sur ça. Exactement. Organisation, donc, c'est une unité de lutte pour la santé. Nous travaillons dans deux communautés ou bien dans deux départements, que c'est le département nord. Et Cap-Haïtien, clinique nous trouvons, nous, centre de santé nous trouvons, au niveau de la communauté des Fort-Bouvoir, Bandino, sur la Badi. Mm-hmm. Aussi, nous travaillons dans le département nord-est, qui c'est dans la commune de Mombekochi. Avec fonds que nous trouvons dans l'organisation inter-américaine, ça permet nous de renforcer la capacité, nous. L'aide de renforcer la capacité, nous, en tant qu'organisation, c'est augmenter le nombre de personnels, nous. Point d'information, c'est agrandir le bâtiment, nous. Tant que nous avons agrandi le bâtiment, nous, comme maternité, permettre de faire plus d'accouchement qu'à acquérir les femmes qui ont besoin pour accoucher. Et aussi, nous avons agrandi le laboratoire, nous, ça facilite nous qu'à accueillir plus de malades et qu'à faire plus de tests de laboratoire. Et aussi, dans une zone mobile couché surtout, nous avons renforcé la capacité d'organisation du bazo, tant qu'avec micro-projets et supporter MISO qui dans zone là, supporter mon qui travaille plus, pour qu'à aider yo et subvenir à besoin que yo gagne dans zone là, que c'est besoin premier nécessité. Bah, est-ce qu'on capable ban un petit chiffre, un petit chiffre pour nous capable et ça va faire et combien moun nous aider, combien consultations par exemple que nous bail et moun qui a travaillé des agents. Combien un petit peu pour chiffre capable de parler. Actuellement, et tous les deux centres de santé que nous gagnons, ils servent environ 800 du monde par mois, 800 personnes par mois. Et organisation que nous gagnons, passe d'environ 1200 membres comme organisation. Et travail que nous faisons, ce sont des travails qui sont palpables, qui sont tangibles, qu'on travaille, tant qu'on est subventionné, y'a un moulin manioc, côté moulin, qu'on y a, non seulement, il y a un travail, faire plantation, mais aussi, il y a des moyens pour transformer le manioc en cassave, ça facilite le vent en cassave et pour qu'on résoudre le problème. Monsieur le Réité, monsieur le temps des docteurs, mes adieux qui a parlé de agriculture, il parlait de santé. Est-ce que nous avons l'autre domaine encore que nous entrer là-dedans? Une approche que la fondation, c'est qu'il n'a pas choisi qui sa communauté a valé. C'est la communauté qui a choisi. C'est ça fait que il y a plusieurs types de projets. Mais ça qui arrive, c'est que, étant donné que l'organisation, fondation travaille plus avec l'organisation de base, l'organisation communautaire paysanne, ça fait que majorité financement, nous avons 25 financements actuellement, 25 organisations que nous finançons actuellement en Haïti, qui répartissent dans tout département. Dans le centre, dans le plateau central, dans le plateau central, dans le nord, dans le sud, nous avons plusieurs. Nous avons organisation femmes, qui militent pour question des droits femmes, des organisations qui travaillent dans le domaine des transformations, et dans la santé, nous avons des organisations. Donc, c'est une variété. C'est une variété qui prend ni femmes, ni garçons.
Bon, nous avons une délégation qui vient là, malheureusement, nous pas capable parler avec tout le monde. Est-ce qu'on peut un petit peu parler de délégation? Parce que ouais, l'autre monde qui vit en Haïti, qui est là avec nous, et nous, les étrangers, tout, qui ont même basé dans Washington. Oui, parce que nous avons Carolina Cardona, c'est nous représenter pour Haïti avec le République Dominicaine. Ok? Nous avons l'autre collègue, nous là, c'est un Haïtien qui vit ici, mais nous avons un rencontre avec lui, parce que c'est nous partager chalet Haïti avec lui, tout même, j'ai avec vous-même, qui sont au monde que tout le monde Haïti connaît. Maintenant, ça fait que, et nous avons l'autre camarade qui était là, qui était photographe, qui venait, parce que c'était occasion tout, et dans la situation, nous, pour nous parler, et bien travail qu'a fait. Communauté ou pas mourir. Haïti pas mourir. Ouais. Et Gampil, nous avons dit tout, Gampil espoir par rapport avec la situation actuelle, parce que ça poussait que Haïti, qui est un pays, est totalement centralisé, vin et en pile monde vin ouais nécessité pour retourner un petit peu aller Jacmel aller au moi-même c'est mon Jacmel bon moi-même content pour tourner la carrière donc c'est une opportunité par exemple pour docteur Mizadier probablement la parler ça aller nous t'ai analysé pour le projet Lyo t'es une nécessité pour y avoir un bilan donc une fondation avec l'autre partenaire y arrive financer un bilan ça qui permet que vous diminuez pression et sous question et ça et l'autre vient tout à cause des déplacements qui fait n'importe quoi sur organisation des bases y'a une pression sur eux organisation rurale y'a une pression sur eux l'école dans zone y'a une pression sur eux donc c'est une opportunité pour nous comprendre que et Haïti pas Port-au-Prince. Oui, OIM se font un rapport là côté le parle en pile de monde qui déplacé qui était Port-au-Prince à la province. Est-ce que situation politique ça avec tout déplacement gain violence avec mon gang yo, est-ce que ça lui-même c'est une opportunité que le banou, ou on parlait de Inter-American Foundation, c'est une opportunité que le banou pour nous-mêmes pour nous capables d'agir actionnons? Non, moi pas dit c'est une opportunité dans cas approche pour nous, parce que approche fondation c'est une approche communautaire. Ça veut dire qu'il était toujours travail dans la communauté qui peut réguler. Donc ça fait que seul ça qui vient bien, c'est que c'est organisation partenaire qui n'est plus pression. Par exemple, si monsieur te compte faire, si par exemple, ULS t'es habitué à faire 500 consultations, qu'on y a la fait 800, parce que le monde qui sont dans, je vais arriver. C'est même bagarre là, t'as qu'à prendre, même pour l'école nationale, etc. Donc, c'est comme ça, contexte ça. Donc, ok, jodi a, ou dans Washington DC, ou fait plusieurs rencontres, et ou rencontre avec les responsables, dis-nous, qui porte ça par le gain, qui bénéfice que ça gagne, et passage au Washington DC? Donc, porter a, c'est aider l'autre organisation qui t'habitue à travailler sous Haïti, et nous partager expérience, et l'offre finit tout, l'autre monde, soit qui, parlement qui travaille dans le congrès, c'est une occasion que le monde qui qu'on appuie Haïti, donc nous partager le travail qu'a fait dans la zone rurale qui fait à travers le financement de la Fondation Interaméricaine. Docteur Mizadier, et situation très difficile dans le pays d'Haïti, mais t'as semblé que ça pas empêché qu'on continue avec l'action qu'on a mené et bénéficier tout de Interaméricain Foundation. Bon, oui, et nous décadre de situation en Haïti, c'est une situation qui, nous décadre qui vraiment pas bon dans le moment qu'on a parlé, mais par contre, nous décadre tout, Port-au-Prince par Haïti. Donc, c'est un moment qui vient de la zone en province où il y a plus de problèmes et plus de défis pour lever, parce que le fait que Jacques et nous tous connaissons là, et tout, gros marchandises, j'aime des gars de commerce, c'est Port-au-Prince pour acheter. Et tout pour nous, bien, dans le pays, à côté de gaz sauté, c'est Port-au-Prince. Une fois Port-au-Prince, il y a un problème, donc, machine pas qu'à traverser, donc, zone de provinciaux, nous-mêmes, nous souffrons plus. Mais, par contre, et zone de provinciaux, et des gars de sécurité, si on me demande pour aller au cas passant avec moi là, m'a très confiant pour nous dire bon, on va aller. Parce que nous-mêmes, nous pas subi, et conséquences, ou bien problème et violence là, même j'ai avec moi qui porte au prince. Mais par contre, nous-mêmes, pour le moment, nous avons besoin plus de moyens, plus de corps pour nous fonctionner. Donc, je pense que c'est une occasion tout. Et pour nous encourager tout le monde qui veut supporter Haïti, au lieu de dire, bon, il n'y a pas qu'à aller porte au prince, mais c'est le moment pour nous épanouir dans la zone provinciale. Et qui j'en passe à jour, aujourd'hui, à la capitale fédérale des États-Unis, à Paris de Washington, qui j'en visite ça pour aider ou dans l'action qu'on a mené, surtout au niveau santé et même agriculture. Et je pense que visite ça te motive nous à ce que pour nous dire tout le monde dans Washington DC
et encore une fois Port-au-Prince pour Haïti et Yougen nous encourager pour investir dans zone province. Donc on pense avec conférence que nous gagne à Washington encourager mon pour aller à province, ça capable bénéficier mon en province pour recevoir plus visites, peut-être plus support, ça va permettre de travailler nous avancer plus. Est-ce qu'on a un dernier mot, et parce que moi, monsieur mérité un dernier mot, docteur Misadio, un dernier mot dans le cadre d'entretien ça que VOA Creole a gardé aujourd'hui dans Washington DC? Et nous avons dit VOA Creole, merci pour l'opportunité ça, et nous avons dit de continuer le travail qu'elle a fait, et encourager tout le monde dans Washington DC qui a supporté Haïti, pour continuer à supporter Haïti. Monsieur mérité, vous gagnez un dernier mot? Non, merci avec la Fondation Interaméricaine et l'autre organisation qui était soutenue en Haïti, tout qui était participé dans la conférence. Nous dit travail que les fondations ont fait appuyer la communauté, ça a la communauté espoir. Et l'autre bagaille que nous voulons dire pour moi fini, c'est que la communauté ou pas pour, il y a des ressources partout. Ça va dépendre que j'en ai même de mesurer les ressources. Donc, moi dis nous merci parce qu'on te recevoir nous aujourd'hui, ça fait nous vraiment plaisir que nous partager l'expérience ou même j'en ai continué de partager avec l'autre. Merci beaucoup. Merci en plus. Donc, nous te recevoir demain.